Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le format du dimanche. Ça faisait très très longtemps. On est aujourd'hui le 24. Il fait très chaud, hein, mais ça je vais pas vous le dire. Je pense que vous le savez, vous devez subir la même chose que nous. Donc voilà. Je suis un peu de ma vie, mais bon. Donc, on se retrouve pour le format du dimanche. Je ne sais plus où on s'était arrêté. Je ne sais plus ce que j'ai fait, ce que je n'ai pas fait. Il va falloir que je remette tout ça à jour. Je ne suis pas bien installée. Excusez-moi. Je ne sais pas pourquoi mon fauteuil n'est pas s'avancer. Bon, bref, allez, c'est pas grave. Et du coup, j'ai décidé de faire un... je ne sais plus. Un ABC. Normalement... Normalement, je ne l'ai pas fait. Je ne sais plus, en fait. ABC, normalement, je ne l'ai pas fait. Donc, l'ABC, c'est un concept de Rubika. Elle a un groupe Facebook, elle a une chaîne YouTube. Si j'y pense, je vous mettrai ses liens. Si j'y pense... c'est pas souvent le cas, j'oublie beaucoup de choses, mais bon, si j'y pense, je vous mettrai le lien. Donc ça veut dire ABC Art Book Collector. Ça mesure 20 sur 8, et les seuls impératifs se trouvent au dos. Donc je vous dirai ça après. Non, je vais vous le dire maintenant, sinon j'ai oublié. Donc au dos, vous devez laisser dans le haut une partie pour mettre le timbre. Donc la personne qui va le recevoir va devoir coller son timbre en haut. Bon, après moi je le fais pas, parce que généralement les timbres, enfin moi, si on fait comme moi, je les imprime sur internet, c'est pas super joli. Donc je les mets pas généralement. Enfin, ça dépend. Si c'est un joli timbre, je le mets. Si c'est un timbre imprimé sur internet, je le mets pas. Voilà. Au centre, ses coordonnées, et en bas une petite citation. Voilà, tout simplement, rien de plus. Et après, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Donc, j'ai préparé, donc comme vous voyez, ma base de 20 sur 8. Et j'ai collé un papier de riz, je ne sais plus la marque. Peut-être du Sempérien, je ne sais plus. Donc, après, moi, j'ai utilisé une colle spéciale papier de riz de chez Sempérien. Mais je sais pas, ça colle jamais sur les bords, c'est pénible. Vous voyez, là, c'est en train de se décoller. Mais bon, après, je vais coller un autre papier derrière. Donc, je recollerai tout en même temps. Je vais un petit peu mettre de ancrer mes bords. Je vais mettre quelques... alors, attendez, j'ai pris un petit bout de ruban, de dentelle. Mais d'abord, je vais mettre un petit peu de washi que j'avais acheté sur, je sais plus, Timio, je crois. Voilà. Donc, j'ai pris celui-ci. Hop là. Note de musique. On va mettre un petit coup. Alors, c'est pas mon papier n'est pas droit. C'est normal, ça gondole, c'est à cause de la colle. Mais comme je vous ai dit, je vais recoller un autre papier derrière. Donc, ça ne se verra plus. Il fait très chaud, j'ai beaucoup de mal à parler, franchement. Alors, ça doit se finir aujourd'hui, les fortes chaleurs, demain. Ça doit recommencer, ça doit commencer à descendre, et toute la semaine prochaine, on doit avoir un temps plus caniculaire. Donc, on va respirer un peu, parce que comment vous dire que c'est... Enfin non, je ne peux même pas vous le dire, vous le savez, hein, que c'est juste horrible. On va mettre un petit bout de celui-ci. Il est très beau, ce washi. Après, je ne mets pas de colle, mais bon, on verra bien. Et en bas, je vais en mettre un petit bout en bas. Oh, c'est dommage, celui-ci est trop large. Si j'arrive à sortir, parce qu'ils sont vraiment coincés dans la boîte.
Je vais mettre un petit bout comme ça. On n'a même pas la force d'aller balader le chien en fait. On reste enfermé jusqu'au soir. C'est ma fille qui va le promener à 22 h, s'il vous plaît. Elle va promener le chien. Tellement il fait trop chaud. On a pas de force, quoi. Pas de force. Donc ça c'est fait. Je vais le mettre là. Ensuite, j'ai pris donc ce petit bout de dentelle qui vient de chez Action. Si j'arrive à le décoller, voilà. Hop. Je vais venir le mettre ici. Ensuite. Ah, zut. Bon, ben, je crois qu'il va falloir mettre de la colle. Hein. Parce que. Clairement, celui-ci, il colle pas. J'ai même pas la force de parler. J'ai chaud. Je vous jure, c'est juste horrible. Alors, je sais qu'en Belgique, ils ont des températures clémentes. Ils ont vraiment de la chance. Vraiment de la chance. Bon, là, je fais ça. Et ensuite, je vais aller me poser. Mettre en ligne une vidéo. J'ai le tirage au sort du concours à faire aussi. J'ai plein de choses à faire, mais je vous jure que cette chaleur, elle me... J'ai la force de rien. Je vais répondre un peu aux commentaires, parce que bon, ben, voilà, quoi, je suis toujours en retard, comme d'habitude. Mais vous avez l'habitude avec moi. Ça, donc ça c'est fait. Ensuite, j'ai découpé une petite danseuse étoile. Alors ça, c'est un set d'eyes et tampons que j'avais acheté sur Temu. Alors les dyes découpent très très bien, hein, sauf que je l'avais mal positionné et du coup j'ai dû recouper un peu à la main, mais bon, c'est pas grave. Donc je l'ai colorisé avec les Distress Oxide. Donc pour la jupe, j'ai pris le Warm Lipstick pour la jupe et les chaussures. Je l'ai aquarellé. Hein. Pour les cheveux, j'ai pris le Wild Honey et pour la peau, j'ai pris le Tea Dye. Voilà. Donc ça va venir ici. J'ai imprimé aussi un mot qu'il y avait dans le set. J'ai découpé autour parce que là, il n'y avait pas le die, c'est dommage. J'ai fait un nœud comme ceci avec un morceau de ruban rose et un petit bout de papier doré. Bon, derrière, c'est pas joli. Mais ça va venir ici, clairement. En haut, là. Je sais pas si je mets le mot. En fait, le mot, il me plaît pas sur le papier. J'ai aquarellé aussi, mais ça me plaît moins. Alors, je ne sais pas si je vais pas venir directement le tamponner. Non, je sais pas. Bon, si je vais le mettre. De toute façon, je l'ai fait, je vais le mettre. Ouais, je vais le mettre. Là, je vais mettre quelques feuillages que je vais, je pense, aquareller comme ça en dessous. Moi, j'aime bien mettre différentes sortes, hein, que je vais venir aquareller en rose. Je sens un peu grand. Ah, j'adore ceux-là. Ils sont trop beaux. Ouais, je crois que je vais venir les aquareller un petit peu en rose, avec le même rose que la robe de la demoiselle. Donc je vais vous mettre, je pense que je vais vous mettre sur pause, autant que je fasse ça. Et je reprendrai après. On dirait une fille qui est au bout de sa vie. Tellement j'en peux plus. Bon, allez, je vais vous mettre sur pause. Ah, bien, bravo, magnifique.
Bon, j'ai fini de peindre mes fleurs. Elles sont pas sèches, mais c'est pas grave. J'ai mis aussi sur la robe, enfin sur toutes les parties. Alors la robe, les cheveux et les chaussons de la danseuse et sur les fleurs. Je suis venue mettre des paillettes avec avec ces stylos-là. Je les adore. Donc voilà, donc je vais d'abord coller le nœud. Je vais allumer le pistolet à colle chaude. Je vais coller mes feuilles. Oh, si elles sont sèches, mais ça va vite avec la chaleur qu'il fait. Je vais coller mes feuilles. Je voulais vous rappeler que tous les formats du dimanche peuvent être échangés si vous voulez. Vous avez juste à regarder les vidéos et il y a juste le DFC et le ADC qui ne sont plus disponibles parce que je les ai échangés déjà avec des copines que je remercie d'ailleurs. Et tout le reste, je sais que Roro voulait qu'on se fasse l'échange Pocket Letter. Donc il faut ouais, dès que elle est dispo, elle me le dit. Bon, ça fait pas joli mes fleurs, mes feuilles. C'est pas très joli tout ce rose. J'aurais dû en mettre des blanches. On va peut-être en mettre une ou deux petites blanches pour parce que ça fait peau, ça fait peau. Je peux... Oh allez, je laisse comme ça. J'ai bien sûr pas allumé le pistolet à colle. Eh bien, pourquoi ne s'allume-t-il plus? Ah si. Voilà. On verra quand ce sera fini si je rajoute des fleurs blanches. Je vais coller mon petit nœud. Je l'aime bien, hein, mon petit nœud. C'est tout simple. Hein. J'ai pris un morceau de ruban, je l'ai plié en deux. J'ai collé au centre et j'ai mis un petit bout de... De ruban papier un peu comment doré, voilà. Tout simplement, hop, on va le coller ici. Ah mais oui, mais ça va cacher un petit peu, mais ouais, ça je suis pas fan de ce truc. Je sais pas si je vais le mettre. Bon, je vais coller ma danseuse. Ah oui, je voulais mettre des petites fleurs aussi. Voilà, ça aussi, ça va venir égayer. Ça va venir... Vous m'avez compris. J'enlève ça, j'aime pas. J'ai collé quelques petites fleurs ici. Du coup, ça se verra moins. Mes feuilles. Ça va atténuer un petit peu le gros tas de feuilles que j'ai mis là. Ça sera beaucoup plus, beaucoup, beaucoup plus joli, je pense. Je pense. Enfin, joli à mes yeux, en tout cas. Ça, c'est un peu embêtant à enlever. Mais j'ai pas envie de les mettre en 3D. Par contre, mon bâton de colle, il va pas super. Hein. Hop. Bon, dites-moi ce que vous faites avec cette forte chaleur. Parce que moi, personnellement, je suis rentrée du travail. La seule chose que j'ai faite, c'est mon lit. J'ai fait un bain froid et ensuite, ensuite plus rien. J'ai vraiment la motivation de rien. Dites-moi, vous, si vous avez la motivation de faire quelque chose. Mais vraiment, j'ai même mon ménage, j'ai pas le courage de le faire, quoi. C'est un truc de fou. Faudrait que je fasse le ménage, mais là, là, tout de suite, j'ai pas la force. Je n'ai pas la force du tout.
je pense qu'on va arrêter là sur les fleurs. Voilà. Ouais, du coup, on voit moins mes feuilles, mais bon, je sais pas, c'est bizarre. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vais coller ma danseuse et ensuite je vais réfléchir pour ce mot là. J'ai peur si je le tamponne dessus, que je le rate, que tout soit bon pour la poubelle. Vous voyez ce que je veux dire? Je serais un peu saoulée quand même. J'adore ces tampons, hein. Ils sont trop trop beaux. Alors c'est peut-être de la contrefaçon. Oui, oui, ça vient de tes mous, c'est peut-être de la contrefaçon. Eh ben, écoutez, si c'est le cas, j'en suis désolée. Mais moi je les aime bien. Donc je les ai trouvés beaux, je les ai pris. Et celui qui n'est pas content, il passe son chemin. Voilà. Oui, oui, parce que j'en ai marre des rabat-joie. Ouais, non, bon, ce tampon-là, il me plaît pas. On va faire autre chose. Il est trop grand, en fait. Et j'ai ancré le tour, et en fait, c'est pas joli. Ce n'est pas joli. Bon, on va ressortir. Oh, quelle chaleur. Quelle chaleur, quelle chaleur. Et on va prendre autre chose. Ben ouais, mais ils sont trop grands, quoi. Just be you. Best wish. Best wish, non. On va faire Just Be You. Je sais pas, c'est bizarre. J'ai peur, j'aimerais bien mettre ce tampon là. You are the best kind of beautiful. Mais si je le tamponne et que c'est moche, je fais comment? Je fais comment? Expliquez-moi. Expliquez-moi comment je fais. Aïe aïe. Je jette. Je serais dégoûtée. Déjà, il faut que je le mette à l'endroit. Parce que je l'aime bien, quoi. On va essayer. Et si c'est pas beau, on trouvera quelque chose pour mettre dessus. Ouh là, j'allais le faire à l'envers. Bravo. Je crois que mes fleurs elles vont m'empêcher. Ben ouais, t'es bête. Prends-en un plus petit. Vraiment, pas de cervelle. Je l'ai mis, je sais même pas si c'est droit. J'ai peur. Non, ça va. Non, ça va. Non. Non, non, ça va. Ça va. J'ai eu peur, mais ça va. Je préfère comme ça que sur le... Je dois peut-être même plus faire mon grand, du coup, sur la danse. Mais bon, tant pis. Non, c'est bien. C'est bien. Je suis contente. Je ne l'ai pas loupé. Hop. Ça va. Bon, vous n'aurez pas cette vidéo aujourd'hui parce que j'en ai une autre à vous mettre avant. Et vous allez avoir le concours aussi avant. Ben non, de toute façon, vous l'aurez. Je suis bête, c'est le format du dimanche. Forcément, vous n'allez pas l'avoir aujourd'hui, vous l'aurez dimanche. Oh non, mais je vous jure, j'ai le cerveau en confiture. J'ai le cerveau en confiture. Ça, c'est... Ah non, mais je sais à qui je vais l'envoyer, ça. Parce qu'il y avait un petit anniversaire au mois de juillet et j'ai pas envoyé. Et j'ai pas envoyé. Du coup, je vais envoyer ça. Je vais préparer tout pour le concours et j'enverrai ça. Stéphanie, je suis désolée, tu l'auras en retard. Mais je vais envoyer ça, je pense, pour l'anniversaire. Ouais, je pense que je vais faire ça. Je pense. Je pense. Je pense. Je pense pas beaucoup, je pense. Il est où mon petit bazar là? Oh, j'ai perdu mon stylo. J'ai perdu mon crayon à paillettes. Il est là. Je vais y aller doucement pour pas faire baver, mais je vais en mettre un petit peu sur.
sur le tamponnage, pas partout. Petite touche avec parcimonie. Hop. Je cuis. Je me dépêche de finir pour aller devant le ventilo parce que là je cuis. Donc voilà, ça c'est fait. Qu'est-ce que je voulais mettre d'autre? Ben plus rien. En fait, il ne me reste plus qu'à le coller sur un papier tout propre. Tout propre. Hop. Parce que là, clairement, c'est dégueulasse. C'est quoi cette colle? La colle d'action, ça ne coule pas. Alors, soit ça coule pas, ou soit ça coule tout seul, ça coule trop. Heureusement qu'elle n'est pas chère. Ça fait trop longtemps que j'ai pas été à Action, les filles, et j'ai vu qu'il y avait des les blocs de Noël étaient sortis. Alors, moi, les blocs, ils me plaisent pas. Enfin, j'achèterai pas parce que j'en ai déjà plein les autres années. Mais les paper blocs, les paper de luxe, là, ils ont l'air trop beaux. Oh, et je les aurais pas, bien entendu. Allez, on va coller ça dessus. Hop. On va laisser bien sécher. Et ensuite, oula. Et ensuite, je viendrai recouper. Alors, je vais vous mettre sur pause le temps que ça sèche. Et je viendrai vous montrer. Ah, oh, bah, magnifique. Magnifique. Du coup, on va reprendre un autre papier hein, puisque on a fait n'importe quoi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller laver les mains. Je vais vous mettre sur pause. Je vais aller me laver les mains. Je vais coller tout ça et je reviens après. Bon, voilà. En fait, c'est pas de l'encre sur les mains que j'avais parce que je me suis lavé les mains. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai collé et j'ai appuyé comme ça. Et quand j'ai retourné, en fait, c'est l'encre de... Du coup, j'ai collé un papier propre et ça m'a remis de l'encre. Donc, je suis dégoûtée. Bon, celui-là, je l'utiliserai. Vous voyez, il y en avait là. Et il y en a sur le nouveau. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas trop grave. Je vais pas remettre une épaisseur de papier. C'est déjà assez épais. Donc, voilà. C'est pas grave. Et mon ruban est pas super bien fait. Mon nœud, c'est pas super bien fait. Je viens de m'apercevoir que c'était pas super centré. Au milieu, mais bon, c'est les petits défauts, voilà. Moi, je l'aime bien. Bon. Je l'aime bien, hormis mes fleurs, j'aurais dû mes feuilles, j'aurais dû les laisser blanches ou les faire un peu plus foncées en fait, comme les roses. Ça aurait fait plus joli, je pense. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Donc l'ABC 20 sur 8 avec une place pour le timbre. Les coordonnées au milieu et une citation en bas. Moi, je ne l'ai pas fait parce que je ne vais pas l'envoyer comme un ABC. Je l'enverrai avec le petit mot à l'arrière. Je marquerai mon petit mot ici. Et voilà. Et je remets de l'encre. Non. Donc voilà. Bon, c'est pas grave. Allez, de toute façon, avec moi, vous le savez, il n'y a que des conneries qui sont. C'est comme ça. Vous avez l'habitude. Du coup, on a fait l'ABC. Qu'est-ce qu'on va faire la prochaine fois? Alors, moi, l'ABC, je connaissais. Après, je ne sais plus vraiment où j'en étais. DFC, je sais que j'avais fait. L'ABC, c'est fait. L'ATS, je ne sais plus si je l'ai fait. Si, je crois que si. Qu'est-ce qu'on va faire? Je n'ai jamais fait. L'ATH, je n'ai jamais fait. Ouais, on va faire la TH la prochaine fois. Allez, j'ai jamais fait, moi. Je connais pas. Donc, voilà. Bon, écoutez, je vais vous laisser. Je vais aller... qu'est-ce que j'ai dit que je devais aller faire? Ah oui, mettre une vidéo en ligne et répondre à vos commentaires. Enfin, commencer à répondre surtout aux derniers commentaires. Et je vais remonter, comme d'habitude. Voilà, au maximum que je peux. Allez, je vous fais... à tous de très très gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.